dernier coup de gueule. Il y a une semaine. Avant le coup de poing. Avec le coup de poing. Non, ouais. Non, avec mon équipe sur un problème africain et une mission à l'extérieur. Parce que je crois que quand on est manager dans le privé, on a une organisation civile, mais quand même à caractère militaire. Et le chef, il garde une vieille notion. Peut-être ça, c'est important pour vous qui voulez greffer des choses. Pour moi, le chef, c'est celui qui crie le plus fort, qui tape le plus fort, et c'est celui qui se fait respecter. Non, mais ça va avec le côté également intellectuel, mais sur le terrain, ça se passe comme ça. Ça énerve Miller, ça, je suis sûr. Non, mais je pense. C'est pour vous, attendez, Gérard, pour vous, Baril. C'est un personnage historique. Je voudrais vous dire aussi, quand même que le courage moral, beaucoup d'hommes politiques l'ont, mais moi, le courage moral va avec le courage physique. Ouais. Et certains ont beaucoup de courage moral, mais de courage physique, il n'y a pas grand-chose. Ouais. Ça baisse. Et c'est là où vous devez intervenir, vous devez greffer une puce de téléphone avec faut qu'on les écoute. Un Pentium de courage physique. Et ce que c'est un autre monde. Ce que je pourrais simplement dire à M. Barry, c'est que c'est un personnage historique. Vous pouvez m'appeler mon capitaine, il n'y a pas de problème, on est entre nous. Je vais essayer de l'éviter. Mettez-vous au repos. Mais ce qui est un personnage historique, c'est que je trouve que je ne doute pas de votre courage physique, puisque je connais un petit peu quand même votre carrière, mais vous avez, sans doute l'âge venant, intégrer du maintien de l'ordre tout ce qu'il y a de pire. Ce n'est pas la seule chose qu'on a intégrée. C'est-à-dire l'idée, justement, de la force appliquée en dépit de la loi, l'idée que, grosso modo, vous êtes là en position de supérieur. Non, pas du tout. Pourquoi ? Non, je voudrais vous dire une chose. On est nombreux, il y a des dames qui sont ici. Le premier problème, qu'est-ce que vous voulez tous ? Vous voulez tous la sécurité. Vous voulez sortir tranquille, vous voulez vivre tranquillement. Vous n'aimez pas la sécurité, vous voulez retrouver votre voiture le soir. Vous êtes terrifiant, M. Barry. Heureusement que vous ne faites pas de politique. Mais tout le monde veut ça aujourd'hui. Mais pas à n'importe quel prix. On veut d'abord la paix civile, on veut la démocratie. Si en sortant ce soir vous êtes agressé, on vous tire votre portefeuille, vous allez dire merci. Mais non, j'appellerai la police dont c'est le métier. Vous appelez qui, la police? Mais bien entendu, j'appellerai la police républicaine qui a aussi des devoirs, monsieur Baril, et je trouve terrible. Ça va t'intéresser la discussion là. Ouais, vachement. On a besoin. Non, mais je trouve ça formidable. Je croyais qu'aujourd'hui, la police était définitivement républicaine, qu'elle comprenait que pour faire appliquer la loi, il faut l'appliquer à soi-même, M. Barry. Vous n'avez pas changé depuis 1968. Je vous revois avec les pavés et en train de mettre le feu aux voitures. Alors que nous, on veut des campagnes tranquilles, on veut que les enfants aillent à l'école, on veut qu'il n'y ait pas de pédophiles non plus, ni sur les réseaux Internet. Et c'est ce que demandent tous les gens. Dernier coup de rouge. Coup de rouge ? Dernier coup de rouge. Je ne comprends pas la question. Coup de rouge ? Ouais. Je bois pas, je fume pas, jamais bu, jamais fumé. Ah bon ? Ah, c'est pour ça alors. Ouais. Mais je tire bien. Je tire bien. Dernier coup de bluff. Je tire bien et il me monte, mais c'est terrible, qu'est-ce que j'ai fait ? Dernier coup de fusil. Secret défense. Dernier coup de blues. Il n'y en a pas. Vous n'avez jamais de coup de blues ? Non. C'est formidable, Jacques, non ? Des gens qui n'ont jamais de coup de blues ? Je sais pas, moi, je peux pas répondre là parce que à chaque fois. Le fait d'être fliqué sans arrêt comme ça, moi, je trouve ça insupportable. J'aime pas la police, quoi. Moi, c'est comme ça, mais c'est un avis... C'est pas un avis idiot, parce que j'aime pas non plus les gangsters, j'aime pas non plus les mafiosi, j'aime pas non plus tout ça. Mais il y a un moment donné où il y a collision, quoi. Il y a collusion plutôt que collision. Il y a collision avec moi, en tout cas, j'ai jamais pu appeler les flics quand j'avais à régler un problème. J'ai été voir le mec, j'ai parlé. Si c'était vraiment grave, ils se sont jamais déplacés, quoi. Jamais. Et la fois où je me suis trouvé dans des commissariats en garde à vue ou tout, j'ai vu des choses atroces et dégueulasses, mais profondément sous le coup de la loi, avec des gens qui étaient sous le couvert de leur képi et des tas de choses humiliantes, profondément sales. Quand on était avec l'histoire du DAL, là, il y avait 50 quarts de flics, quoi, des gens comme vous, quoi, des gendarmes corrects, d'accord, polis, propres sur eux et tout, on les paye. C'est nous qui les payons, quoi. Et à un moment donné, j'ai demandé à un flic, quand j'étais en garde à vue, je lui ai dit, mais vous n'êtes pas gardien de la paix? Mais non, monsieur, je suis fonctionnaire de police. Attends, c'est quoi ça? Gardien de la paix, pour moi, ça voulait dire quelque chose. Mais fonctionnaire de police, va te faire voir, quoi. Va te faire voir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.